tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais achever cette série sur les pronos avant d'y revenir un peu plus tard pour la Bundesliga. Mais pour l'instant, je la termine avec mes pronos de Ligue 1 2024-2025. C'est parti par Toulouse que j'ai mis à la 10ème place parce que ils font des saisons correctes depuis leur remontée. Saison passée, ils avaient gagné la Ligue, la Coupe de France. Et cette saison, bon, c'est un peu moins bien, quoique le parcours en Coupe d'Europe, machin, c'est plutôt une saison correcte. Donc rien à dire sur Toulouse, ils mériteraient une place dans le top 10. À la 9ème place, j'ai mis Lens, parce qu'il n'y a plus de Francaise, ça va être à mon avis un peu compliqué. C'est un club que j'aime bien en plus. Donc honnêtement, j'aimerais bien qu'ils fassent une bonne saison, mais je pense pas qu'ils vont faire une très très bonne saison par rapport à tout ce qui s'est passé, même cette saison qui a été un peu moins bien quand même. À la 8ème place, j'ai mis Nice. Nice qui a fait une saison correcte, ils se qualifient quand même pour la Coupe d'Europe, c'est quand même bien, mais ils ont quand même une grosse chute en fin de saison. Il y a du changement, donc je pense pas qu'ils peuvent retourner en Coupe d'Europe. J'ai mis 7ème Rennes, qui donc pareil joue des places dans ces eaux-là depuis quelques saisons. Il n'y a pas de grands exploits, il n'y aura même pas de Coupe d'Europe, donc voilà. À la 6ème place, j'ai mis Brest. Alors Brest qui a fait une excellente saison la saison passée, hein, qualification pour la Ligue des Champions. Mais pareil, c'est un petit club qui n'a pas forcément le budget pour se maintenir longtemps dans les hautes places et je pense pas qu'ils vont pouvoir rester très longtemps en top. J'attends de voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions cette année, parce que évidemment je supporte les clubs français en priorité. J'ai hâte de voir et je pense que ça peut être assez surprenant, tout comme ridicule en fait. Ça peut être le jour ou la nuit. À la 5ème place, j'ai mis l'OM parce que c'est de la merde. Ils font pas des bonnes saisons depuis quelques années, les Ligues des Champions sont souvent ridicules, je pense que le mieux quand même c'est qu'ils se qualifient pas pour eux et pour la France. À la 4ème place, j'ai mis Lille qui s'est qualifié, qui a fait également 4ème place cette année, qui joue son barrage il me semble demain soir pour de 3ème tour, pas le barrage encore, 3ème tour préliminaire pour la Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont gagner, ils ont gagné le match aller 2-1, c'est plutôt bien. En Ligue 1, en revanche, l'année prochaine, je pense pas qu'ils puissent aller chercher trop de choses non plus. Je les vois pas, tout simplement, aller aussi haut, étant donné qu'ils... Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de choses pour prouver que c'était un très bon club. Troisième place, j'ai mis Lyon. Lyon qui faisait une très très belle remontada sur la deuxième partie de saison de Ligue 1 l'année passée. Hein, et c'est vraiment, vraiment cool. Parce que c'est un grand club quand même, que s'ils avaient été relégués ça aurait été vraiment dommage, mais non, ils ont été vraiment très loin, ils ont fait également un beau parcours en Coupe de France et Persage a complètement relevé l'équipe, c'est pour ça que je la mets 3ème pour cette saison. Monaco 2ème du coup, puisque sans suspense je vais mettre le PSG champion, a priori c'est extrêmement probable, il n'y aura pas de club pour qui veut concurrencer, on verra. Hein. Mais deuxième allié Luis Enrique, j'espère que ça va aller encore mieux en Ligue des Champions, puisque déjà cette année c'était très très bien. Malheureusement il aura pu aller encore plus loin, mais franchement c'était beau. Monaco, j'ai hâte de les voir en Ligue des Champions également, puisque c'est l'un des clubs les plus réguliers de France. Attends, il y a eu un petit trou d'air il y a quelques années, mais globalement depuis 10 ans c'est le deuxième meilleur club français en termes de résultats européens notamment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour une prochaine. Allez, ciao.